tous, nous retrouvons maintenant le chemin des écoliers avec la suite des aventures d'Arsène Lupin. Ce deuxième épisode a déjà été diffusé début février, mais vous ne l'avez pas tous vu en raison des vacances scolaires. Alors c'est pourquoi nous vous le proposons une nouvelle fois aujourd'hui. Souvenez-vous, à la fin du premier épisode, nous avons laissé le baron Satan fou d'angoisse à l'idée qu'Arsène Lupin vienne lui dérober ses tableaux. Alors que va-t-il arriver aujourd'hui? Le gentleman cambrioleur mettra-t-il ses menaces à exécution? Moi je vous dis à tout à l'heure après l'émission, avec Monique bien sûr, pour parler de votre courrier, ok? Derrière moi, dans cette prison. Vous vous souvenez de la lettre et du télégramme qu'il a envoyé au baron Satan? Regardez bien ce deuxième épisode, lisez bien tous les textes écrits, suivez bien l'action, imaginez la suite et écrivez-la. Et envoyez-nous vos textes. Le baron Satan, grand amateur de tableaux anciens, est menacé de cambriolage par Arsène Lupin, pourtant enfermé à la prison de la santé. Fou d'angoisse, le baron implore l'aide de l'inspecteur de police, Ganimard. Re-salut. Salut Monique. Tu as bien entendu, le baron Arsène Lupin a dit au baron à mercredi. Mais alors comment va-t-il s'évader? T'as une idée toi? Moi j'ai triché. J'ai pas pu résister, j'ai lu le livre. Mais vous, vous ne le lisez pas tout de suite et je suis sûre que vous avez plein d'idées pour inventer des suites à cette histoire. Mais n'oubliez pas, Arsène Lupin n'utilise jamais la violence, il utilise son intelligence. Alors évidemment c'est un peu plus difficile quand on a les armes à la main, mais je suis sûre que vous avez des idées, des astuces, et vous allez nous les envoyer. Alors vous n'avez pas oublié notre adresse, c'est le CNDP, le chemin des écoliers, boîte postale 359 92 541 Montrouge CEDEC. Nous attendons beaucoup beaucoup de courriers. Bravo Monique. Alors maintenant parlons du courrier que vous avez reçu après le premier épisode d'Arsène Lupin. Oui, nous en avons reçu beaucoup et nous sommes à chaque fois désolés de ne pas pouvoir parler de toutes les lettres que vous nous avez envoyées. Mais rassurez-vous, nous allons vous répondre par écrit à chacun d'entre vous. Mais soyez un peu patients parce que vraiment, nous avons beaucoup, beaucoup de lettres. Enfin, je suis témoin. Bravo à tous. Vous avez presque trouvé la solution inventée par Maurice Blanc, l'auteur du livre Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Voilà, la bonne caméra. Ce livre est édité, je vous le rappelle, par le Livre de Poche Jeunesse. Et puis, vous pouvez le capturer dès maintenant pour connaître la suite à la bibliothèque scolaire. Alors, j'espère que vous allez le lire, parce que je vous assure, c'est passionnant. Mais, n'oubliez pas, avant de nous envoyer vos suites aux histoires, et puis après, vous pourrez comparer les solutions que vous avez trouvées aux solutions de Maurice Leblanc. Voilà. Alors maintenant, on va regarder tout ce qu'on vous a envoyé pour la suite, les suites inventées. Voilà. Alors tout d'abord, avons sélectionné un certain nombre de travaux qui sont assez représentatifs de ce que les enfants ont inventé. Alors la première, Vient de l'école Le Chaumont-Porcien dans les Ardennes. Ils ont inventé une suite sous la forme journalistique. Un journal avec une mise en page, ils ont retrouvé des documents, la photo du baron, du château. Enfin vraiment, c'est très intéressant. Alors, la seconde vient de l'école Morel-Maison, c'est dans les Vosges, et ils ont utilisé l'ordinateur. Isabelle, cela veut dire que les ordinateurs sont vraiment rentrés dans les classes et que surtout, les enfants s'en servent. L'utilisent. Voilà, oui, c'est voilà. Alors, la troisième. Vraiment, on l'a gardé pour la fin, parce que vraiment, on a eu un coup de cœur. C'est vraiment un dossier. Regardez ça. Cette suite vient de l'école Babeuf, à Aubervilliers. Ils se sont inspirés des chers tableaux du baron pour illustrer leur histoire. Voilà. Et regardez, je ne résiste pas à l'envie de lire ce qu'ils ont écrit. Les deux compères. Voilà. Les deux compères sont en scène. Et ils se moquent du baron Satan.
en se parlant dans le creux de l'oreille. Ils sont du côté d'Arsène Lupin, du côté des malins, comme eux. Ils savent qu'ils ne resteront pas longtemps dans ce château-prison. Ils seront au Louvre en 1912. Et voilà, hein, je crois que là, vraiment, c'est très, très astucieux. Et certains nous ont même envoyé l'histoire sur bande. Sur bande. Les futurs animateurs radio. Voilà, alors je crois que tu as un petit mot à dire aux petits élèves de Saint-Lô. Voilà, je voudrais dire un merci tout particulier aux élèves et éducateurs des établissements régionaux d'enseignement adapté de Saint-Lô et de Montélimar qui suivent avec plaisir nos émissions et qui nous l'ont écrit. Alors merci et bravo. Alors merci aussi encore à tous, hein, c'est sympa. Et la prochaine émission d'Avis au lecteur, Avis au lecteur, aura lieu le vendredi 9 mai, c'est pas tout de suite, à 10h55 ou 11h05 si vous préférez. Et le premier épisode s'intitulera L'histoire de la maison aux jalousies vertes. Oui, mais vous n'oubliez pas votre rendez-vous de vendredi prochain à 10h55 ou 11h05. Vous avez rendez-vous avec l'histoire, avec une émission qui s'appelle Place de la Bastille. Alors au revoir, à bientôt. Salut. CNDP. Et oui, le CNDP, c'est aussi la radio tous les jours. Du mardi au vendredi, 17h20, 18h sur France Culture en moyenne. En moyenne. C'est à toi. Radio CNDP, la radio éducative moderne. Super moderne. CNDP. Me revoilà pour vous rappeler que Croque Vacances, c'est dans quelques secondes et bien sûr cet après-midi à 16h25. Une nouvelle série débute aujourd'hui sur la Une, La Famille Cigale, où l'histoire de 4 générations de comédiens courant assidûment le cachet. Premier épisode à 5h30. Mais nous n'en sommes pas encore là, retrouvons de ce pas Claude Pirard et ses deux acolytes Isidore et Clémentine. Bonne journée parmi nous. Vive le temps de... Au pays de Croque-Vacances, tous les enfants sont amis. Venez entrer dans la danse, croque la chance et croque la vie. Regardez le soleil, mille étoiles, s'amuse en liberté. Et la lune sur sa toile, si c'est la nuit d'été. Croque la neige et croque-printemps, vive le temps de Croque-Vacances. Et voilà, c'est la dernière, oui, la dernière de Croque Vacances, mais rassurez-vous, dès maintenant, je peux vous dire qu'il y aura moins d'un mois avant que nous nous retrouvions le 27 mars. Pour l'instant, donc, on va essayer de faire la fête, de terminer avec nos amis Charlotte aux fraises, les Bisounours, Scooby-Doo, nous verrons également une des plus belles fables du monde, et puis François Lotz nous parlera des images populaires d'une région qu'il connaît bien, l'Alsace. Et puis également un reportage des Infos Magazine sur des golfeurs en herbe. Mais pour l'instant, la fête, oui, la fête, puisqu'on va vous permettre encore de gagner des Charlotte aux fraises avec notre concours. Deux questions posées dans un instant par Isidore et Clémentine. Alors, suivez bien ce dernier épisode de la surprise partie. C'est à vous, Charlotte. Prépare-toi, tu vas partir. Tu vas connaître ta nouvelle maison. Tu laisses tes souvenirs. Allez, presse-toi, tout est...